faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. Ce n'est pas le métier où on devient riche, ça. Tout le monde a une bourse pour lui répondre aux mêmes phrases, au même homme qu'il le voudra. Il est allé là puisqu'il le mérite. Dans cette prison, il y a Rosen Tsingy, c'est président honoraire et assemblée provinciale à Kinshasa. Dans cette prison, il y a Guy Matondo, ministre des Finances à Kinshasa. Dans cette prison, il y a Roger Doli Makambu, ministre provincial et intérieur à Kinshasa. Il y a ministre de l'Intérieur, Yarania Santé, Wada Koutou, parquet est condamné 5 ans. Guy Matondo, 8 ans. Je voudrais que vous nous fassiez la liste d'un serait un ministre provincial du temps de Kabila pendant 18 ans où il y a les cas où il y a 3 jours. Ça ne se fait pas. Mais na bozana mutu, asaka kana ina nena quelques mois. Vous voyez les signaux, il y a impunité za ko salema. Mais mutema mabe mutindo ko animé bino pour considérer nous n'avons pas des autorités sérieuses. Et sérieux, c'est qui vous appelez sérieux? Katumbi, qui était aussi l'homme de Kabila, qui vous appelait sérieux? Martin Fayoulou, qui ne sait même pas payer impôt ou même payer le travail dans son hôtel, qui vous appelez sérieux ici? C'est Vital Kamerhe qui détourne, qui confisque la caisse de l'État à ma poste de personnel na Yamida. Qui vous appelez sérieux? Félix Tshisekedi, avant d'y alimenter, quand en demi personne en Sombara na Pekinas, avant comme ma président, jusqu'à ce jour, et je lance les défis à quiconque a des preuves. Il n'a acheté aucune parcelle sur toute la ville, alors qu'il a les moyens de l'État. Yezoba, Yonde Mayele. Yonde Mayele, quand vous considérez plus de 350 millions de dollars détournés, qu'on ne va pas clé dans la gestion de ces derniers, et ça va faire bénin, mais enfin, on est un pays pauvre, il ne faut pas se valer la face. La richesse est tombée dans le reste de la Kabasolgan. Puisque dans la pratique d'une richesse, nul ne peut dire que Nazaris, c'est que votre vie sociale n'est pas reflétée ou Yosawanate. 350 millions dans l'individu à Mutumoko Boye. Comme si Bissonio son à Congo, tu as dit Kaye. Et quand on veut traquer quelqu'un qui est l'auteur de ce genre de trucs, vous considérez ça bafin, bénin, élimination politique.